Bonjour, à 23 ans, elle redonne vie aux œuvres. Pauline est restauratrice de tableaux, installée dans le calme de son atelier de Châteaubriant. Elle restaure, copie et invente aussi. Pauline a créé son entreprise Courant d'Art, rencontre avec une jeune femme patiente, méticuleuse et passionnée. Alors j'ai de la restauration de tableaux, donc c'est en général des particuliers. J'ai des commandes en création un petit peu et de la copie 17e, 18e, en général de portraits en fait. Oui, depuis toute petite, j'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé peindre, j'ai toujours voilà. Après donc j'ai fait un lycée, la Jolivry à Nantes. Qui nous a appris l'histoire de l'art, la chimie, la photo, toutes les techniques utilisées par les artistes peintres. Moi, ce que j'aimais faire, c'était surtout la peinture, la création. Je voulais trouver un métier qui se rapprochait. Enfin, la restauration de tableaux, c'était vraiment ce qui se rapprochait le plus. Ça me permettait de comprendre comment les tableaux étaient préparés, comment une toile était montée sur un châssis, les différentes préparations avant de peindre, comment on préparait les mélanges, la peinture à l'huile, les pigments, tout ça. Soit c'est le support qui est abîmé, soit ça peut être la couche picturale, le tableau en lui-même qu'on n'arrive plus à lire parce que le vernis a jauni, a oxydé avec le temps. Il faut rendre la visibilité, la lisibilité du tableau. Donc en général c'est ça, les trous, les déchirures, donc c'est pareil, il faut essayer de retrouver une planéité sur l'œuvre. Dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône déjà, donc une année en préparation où j'ai appris la copie en plus de la chimie et de l'histoire de l'art. La copie des artistes peintres, des grands maîtres ou moins grands maîtres, qui permet à l'élève de connaître les couleurs, de comprendre les couleurs, comprendre les mélanges, la lumière. Nous, après, par rapport à ce que le peintre a utilisé comme technique et comme pigment, liant, etc., comme support, on peut après travailler avec différents solvants qui s'adaptent forcément avec ce qu'on a analysé avant. Ça demande quand même de la concentration, puis bon, c'est de la passion aussi, faut être assez minutieux. On y va vraiment tout doucement, puis par étapes. Pour contacter Pauline et découvrir ses créations, rendez-vous sur son site internet courantdart.wifeo.com.